Sophie de Menton, présidente du mouvement Éthique, nous a rejoint sur le Salon des Entrepreneurs. Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venue dire au Salon des Entrepreneurs? Je crois que vous êtes venue parler d'un petit livret que vous avez juste à côté de vous. Absolument, je vous le montre. D'abord, je suis très contente d'être au Salon des Entrepreneurs. C'est vraiment un salon qui, aujourd'hui, est essentiel. Les Français ont confiance dans l'entreprise et je crois que c'est à nous de prendre un peu les rênes et les commandes pour arriver à réformer notre pays et à le rendre, à retrouver la croissance. Moi, je suis venue témoigner en quelque sorte que, d'une part, les entrepreneurs sont très peu cités. L'entreprise est peu citée au cours de cette campagne électorale, ce qui est quand même un phénomène un peu inquiétant. Et surtout, on ne parle pas vraiment, et en termes, je dirais, managériaux, de la réduction des dépenses publiques et de la réforme de l'État. Dans une entreprise, quand il y a besoin de serrer les cordons, de réduire les dépenses, on sait comment faire. Et ça n'empêche pas la croissance, ça la fait retrouver. Nous partons sur un mauvais pied en France, où on fait peur aux Français en pensant que cette réduction des dépenses va leur nuire, ça va leur profiter. Donc on a écrit avec Jean-Marc Daniel, qui est un économiste, avec des chefs d'entreprise. Nous avons fait un groupe de travail depuis maintenant plus de 7 mois, où nous avons essayé de faire passer la réforme de l'État et la baisse des dépenses publiques sous l'axe de notre devise nationale qui est liberté, égalité, fraternité. Mais là, on a fait liberté, liberté individuelle, on a fait solidarité et on a fait équité et justice. Donc ça nous permet d'aborder les vrais points qui sont fondamentaux. Là, encore un autre sujet pas abordé pendant cette campagne et qui est vraiment très important. Quelles sont les missions régaliennes de l'État? Personne ne pose la question et nous sommes dans une élection présidentielle. Qu'est-ce que doit faire l'État? Les Français ne savent plus. Ils demandent de plus en plus d'État, de plus en plus de dépenses sans penser que ça les appauvrit. Donc on a fait 9 points fondamentaux. Que vous voulez présenter aux candidats à la présidentielle? Alors on les a envoyés aux candidats, bien sûr, et avec un questionnaire simple pour voir s'ils sont plutôt tout à fait d'accord, moyennement d'accord ou pas du tout d'accord avec le principe. Vous avez eu des retours ? J'ai déjà des accords en me disant on travaille et on le renvoie, c'est bon signe d'ailleurs, dire qu'ils vont le lire. J'ai des retours de l'équipe de François Fillon qui répond rapidement, de l'équipe de Mélenchon qui va répondre, l'équipe de Macron qui a dit qu'il allait répondre également. J'ai pas de réponse de François Hamon. Mais bon, c'est parti il y a peu de temps parce que je voulais en garder la primeur au Salon des Entrepreneurs. Et vous allez peut-être les croiser sur ce salon parce qu'il y en a certains qui vont venir. Oui, alors on va les croiser. Cela dit, c'est un succès fou, il y a énormément de gens. Et je crois que le moment d'aborder un candidat, ici ils vont tout promettre. Ils vont être d'accord avec tout le monde. Et je crois que ce n'est pas vraiment ici que je pourrais les aborder. Mais on est en contact avec leurs équipes. Les équipes d'éthique sont en contact permanent avec ceux qui font les programmes. Et on doit leur apporter le fruit de notre réflexion. C'est un peu un how-to, vous savez, comme disent les Américains. Je crois que... il n'y en a pas un, en gros, qui a été chef d'entreprise. Donc, il y a une façon aussi de manager la fonction publique, de faire passer un élan. Quand on fait une réforme dans nos entreprises, il faut absolument qu'on soit suivi par nos salariés. Un chef d'entreprise en président de la République, ça vous plairait? Alors, je ne suis pas certaine, parce que si vous voulez, nous sommes à un stade où on a un État avec des strates tellement compliquées qu'il faut un énarque pour gérer les énarques. Je pense qu'un chef d'entreprise qui arrive à la tête de l'État français, il va être d'abord englouti parce que tout est bloqué. Tout est bloqué de partout. Je vous donne un exemple, par exemple, l'inspection du travail. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Quand on a des problèmes, c'est arrivé au sein du mouvement éthique que je préside, on est remonté jusqu'à l'Élysée, jusqu'au ministère du Travail, où ils disaient « Ah oui, là, ça ne va pas du tout. » Ah, mais on ne peut rien faire. Donc, les ministres n'ont pas de pouvoir sur les administrations en ce qui concerne les administrations qui concernent les entreprises. Je veux dire, un ministre de l'Emploi, il n'a quasi pas de pouvoir. On l'a bien vu. Ils ont beau faire des lois, ils ne savent pas les faire respecter. Nous travaillons dans notre livret, par exemple, on dit « priorité à l'emploi » et pas au chômage. Vous me direz que c'est la base. Mais c'est le contraire qu'on fait. Et donc, par exemple, on a une loi qui dit que lorsque quelqu'un qui est en recherche d'emploi refuse 3 emplois de suite,
à condition que l'emploi qu'on lui propose soit payé pas moins de 30% de ce qu'il avait avant, il est obligé de l'accepter. Ça existe. Ce n'est jamais appliqué. Donc on est dans un pays bloqué qui foisonne de lois et de décrets et qui ne peut pas les appliquer. Et nos entreprises se paralysent alors qu'il y a un souffle comme on n'a jamais connu. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, il y en a 73% qui aimeraient monter leur entreprise. Mais il y en a 73 qui ont peur parce qu'ils trouvent ça compliqué, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc on sécurise à fond les salariés, quitte à empêcher la fluidité de l'emploi. Et en revanche, il y a zéro sécurité pour les entrepreneurs. Pas de chômage, responsable sur leurs biens. Et donc il faut équilibrer ça. Sophie de Menton, merci pour ces réflexions très concrètes. Et à bientôt sur We Do Biz. À bientôt.